ma chère, comment tu vas? Bien, pourquoi n'as-tu pas demandé à Silas d'aller poser le couvre? Qui Silas? Pardon, laisse le gouverneur. C'est mieux que je le fasse moi-même, ma chère. Les enfants de Jésus. Comment vont tes enfants? Ils vont Salut bien. Salut de ma part, hein. On se voit au marché. D'accord. Hey, bye Silas, bye. Le gouverneur. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant assister à un aspect très important de cette cérémonie. Pour certains, c'est une formalité d'usage du mariage. Mais pour moi, c'est un symbole d'amour, d'affection et d'attention qui sont les bases du mariage et les éléments catalyseurs d'un mariage à succès. Comme de coutume, l'épouse se lèvera devant nous tous et nous présentera qui est son mari. Ma fille, en présence de tous ici, montre-nous qui est censé être ton mari. Hey. Est-ce que tu veux boire? Non, madame, non. Continue à te coucher. Continue.
Maman, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Hein? Arrête de venir détruire mon problème. Aide-moi à balayer la concession, tu ne peux pas. Va au champ pour m'aider. Tu ne pars pas. Je ne sais pas du travailler. Laisse-moi tranquille. Va faire le feu du bois. Tu ne pars pas. Viens t'asseoir ici. Tu continues à rêver. Oui, tu as déjà nous anadiel auquel il guinée. Ici, tu ne peux vraiment rien faire de tout cela. Fais ma confiance. Nous sommes ici ensemble. Laisse-moi ça. Où es-tu en train d'aller? Nous sommes en train d'aller à la rivière. À la rivière? Oui, ma reine. Et vous ayez puisé de l'eau dans vos mains pour verser dans la mamito. Hein? En fait, ma reine, c'est une journée ensoleillée. Et la princesse voudrait aller nager. Ah oui, ma reine. Oui, oui. Hein? Je vois. Rassurez-vous de rentrer tôt. Le ruisseau sera plein d'hommes à cette heure, n'est-ce pas? Oui, ma reine. Merci. Ah. Quelle jolie fille. Elle aussi jolie que j'étais à son âge. Selon ce que j'ai entendu, elle attire l'attention des jeunes hommes du mago qui expriment leurs désirs. Juste pour demander sa main en mariage. Jusqu'à présent, ma fille refuse d'exprimer son amour à un homme. Elle souhaiterait elle-même choisir son propre mari. Non! Votre Majesté. Moi seul lui choisirai le mari. Bonjour mon mari. J'étais seulement en train de penser à haute voix. Igwe, beaucoup d'idées, nous. Mon chapeau est en l'air, je te salue. Est-ce que c'est toi qui as béni ma maison avec cette belle voiture? Igwe, en fait, merci beaucoup, Lord. Il y a deux comme ça. Une est présentement garée dans ma concession. Eh bien, d'autres viendront bientôt. Amadi. Igwe. Je suis venu te présenter mon fils, Jonah. Ton papa prend une correction, c'est un petit pauvre. Nous sommes de famille. Igwe, son nom c'est Jonah. Il vient d'arriver d'Amérique. De l'Amérique. Amérique. Pour de vrai, tu comprends? Permets-moi de me présenter. Alors, celui qui est devant toi, là, ici, on l'appelle Dion. Mais là-bas au Michigan, là où je vis, on m'appelle le seul et l'unique T-Boy Dion. Tu puisses ce que je dis, T-Boy à Michigan. Pas seulement américain, il est devenu américain propre. Oui. Tu comprends tout, yo. Igwe, tu comprends tout. Il a dit qu'il s'occupera de toi et de ton royaume. C'est ça, yo. Il est venu transformer notre vie en magua et de changer ça. Izeko, c'est ça. De vrai. Tu vois, Igwe, magua peut être la même chose, ça je te le promets. Yo, tu sais quoi? Je vais changer cette maison jusqu'à sa fondation. Pour de vrai, je te le promets. Hein? Ouais, tu t'as mal. Vous serez bénis, toi et ton fils. Igwe. Nos ancêtres ont aspergé leur bénédiction. Ce n'est pas seulement un arrosage. Ils m'ont lavé de leur bénédiction. En fait, ils m'ont inondé avec ce qu'on appelle American Wanda. Et je suis venu t'en donner un peu. Allons l'intérieur. Igwe, tu sais quoi? Je pensais à quelque chose tout à l'heure. Je vais t'amener aux États-Unis. T'en penses quoi? Amérique? Pour de vrai, yo, je vais t'amener aux États-Unis, au Michigan où je vis. Papa, je t'amène aussi, yo. Pour de vrai, j'ai pensé à ça. Tu sais que t'es mon beau-père. Tu piges le truc, c'est juste que j'aime pas la merde que tu portes là comme ça. Ouais, pour de vrai, je vais te chercher des choses bien comme des beaux Timberland.
des pantalons, des t-shirts, tu piches le truc. Allez, d'accord, tu seras comme eux. Je t'amènerai plus qu'aux États-Unis. Ouais. Je t'amènerai là-bas, tu vas voir Dr. Dre, Piano, 50 Cent, Eminem, Snoop et beaucoup d'entre eux. Et on est tous déjà. Ouais, pour de vrai. Hey. Je te le promets, je vais faire ça pour toi. Je vais faire. Igwe, est-ce que tu le comprends? Parce que la façon dont tu bouges ta tête, ça vient. Tiens, Marie. C'est toi qui vas m'expliquer. Ok, je te l'expliquerai plus tard. Ouais, hey. Ouais, c'est ça. Toi qui vas m'expliquer. Alors, ouais, pour de vrai, je t'amènerai là-bas. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Ma princesse, je pensais que toi dis que nous allons l'arriver. Ça, c'est le mauvais chemin. Ngozi, tout simplement, suis-moi, s'il te plaît. Où, ma princesse? Ne peux-tu pas user de patience, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie? Ma princesse, la patience n'a rien à y voir. Et en plus, as-tu oublié ce qui s'est passé la dernière fois quand la reine m'a découvert que tu n'as pas? Ça, c'est le passé. Et en plus, ça fait confiance en Loma. Ça me surprend. Peu importe ce que tu dis, on le prend toujours en considération. La dernière fois, tu as dit que nous allons au marché pour aller acheter la viande. Maintenant, nous allons à la rivière. Et ensuite, ça sera... Contrôle tes mots, Gozi. Tu es pour mouiller. Oh, c'est comme ça que tu appelles ça. Un mensonge est devenu un signe de courage. Appelle ça comme tu veux. Tu dois t'aider à arrêter ça et suivez-moi. Je n'ai pas le temps à perdre. Oh, tout ça, c'est pour aller voir si c'est ça. Tout simplement, suis-moi. J'ai le choix. C'est comme si j'avais le dos. Chai! C'est l'amour à Tokyo. C'est le véritable amour. Ah! Non! Ça, c'est pas l'amour de Watiti. Hein? Ça, c'est l'amour de Umaku. Chai! À quoi? La princesse ne t'a pas encore dit. Mais sais-tu que qu'elle ment à Lolo? Qu'elle peut se mettre. Oh, Lolo! Elle ne peut rien faire d'autre. Tant qu'elle n'a pas encore vu ton visage. Chai, à quoi, Chai? La fraîcheur de la rosée du matin rappelle ton visage. Viens ici. Chai, viens là. À quoi? C'est moi. Est-ce que tu sais que ce que tu viens de dire là, je peux me servir de ça pour composer une chanson? Vraiment? À quoi? J'attends même encore quoi? J'ai même déjà composé une chanson. J'ai déjà composé une musique à quoi? Regarde que c'est beau. La princesse est sous un charme. Chut! Ne parle pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, tu n'as pas le droit de faire ça. À quoi la personne qui s'occupe de ma coiffure, si c'est collègue, très bien, tout est parfait. Aïe! Aïe! Cosa, tu es ma reine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu aimes tes cheveux, tout. Tu aimes. C'est vraiment bon. Cosa, la force de l'amour peut changer n'importe quel monde. Est-ce que c'est gratuit? La noblesse embrasse la noblesse. Comment est-ce qu'une princesse, l'unique fille de Omwako, contente son futur avec un homme dont la vie, le futur et l'ambition est attachée à aimer Mac Lorraine? Où est passé ton bon sens? Tu sais qu'à chaque fois que tu joues comme ça, tu dis, ma femme, ma fiancée. À quoi, même si je n'ai bien dans ce monde et que j'ai bien au moins toi, mais je dis, tchat, Chai, à quoi, bien, même pas. Maman, mais, à quoi,
Si l'amour lui-même était un état, je serais le plus grand chef. À quoi si l'amour était une couronne, mon règne durera à jamais. Maman, mais à coup comme il m'a sa bolla. Hein? Chai! À quoi, mais hein? Si j'avais ma maison, je t'aurais déjà volé et parti avec moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Igwe, il y a une mélodie qui joue dans ta concession. Dans toute ta maison, laquelle je voudrais que mon fils danse dessus. Tout ce que nous sommes venus dire, nous avons entendu le son. Et nous aimons la musique. Tu t'y as mal. Igwe. Tu as parlé comme un sage. Et je vais te donner la réponse d'un sage. Ton fils a tous les attributs d'un bon danseur. Ok. Lorsqu'il est prêt pour danser, qu'il vienne nous montrer à quel point il peut danser. Putain, allez, je me sens dans le jeu. Je me sens dans le jeu. Tu vois pas le truc? Et papa, Igwe est à l'oreille. Ouais. Il est à l'oreille. Ah oui. Igwe, Igwe, tu as mon amour. Un amour, tu es mon dégât. Ouais, et pour toujours, y'a. Quand je vais t'amener aux USA, tu verras Snoop, le D, double D, Jazz. Ouais. Ugodia. Ugodia. Igwe. Ichiamadi, bienvenue. Yo, la mémé, merci. Où se trouve ta fille? Elle s'est rendue à la rivière. À la rivière? Oui. Envoie-la chercher immédiatement. Je dois lui parler tout de suite. D'accord. D'accord. Tu vois, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Nous sommes reconnaissants à sa majesté. Merci. Vraiment reconnaissants. Ah. Merci, Igwe. D'accord. Merci. Bon, Igwe, t'en fais pas, hein. Okay. T'en fais pas. Je reviendrai. Yeah. Je reviendrai. D'accord. Yo, Mong, on s'arrache. Okay. Ah, Igwe. Hi, Akwam. Est-ce que tu sais que les gens me traitent de tous les noms juste à cause de toi? Je vois pas comme ça. Ma princesse. Ma princesse. Mazé est en train de venir. Attends, tu fais quoi avec la princesse? Oh, elle s'était juste en train de passer. Tais-toi. Comment oses-tu t'approcher de la royauté avec ta soye? Je... Tais-toi. Une nourriture réservée au roi ne peut pas être de nos chiens. Igwe doit être bon. Ah, Mazé, je t'ai dit, Igwe doit attendre ça. Ok, qui l'attend? Hein? Attends, c'est qui l'attend? Hein? C'est ok, il y a même pas d'accord. C'est d'accord. C'est quoi? Qui l'attend? C'est pas, Igwe, c'est l'encourage de ça. Aïe! Regarde quoi tu fais. C'est la nourriture des rois. Et la garçon, c'est pas manger. Elle n'est pas la rivière, votre mère. On l'a cherché partout. On l'a pas trouvé. Hein? Ugodia? Ugodia? Mon mari, tu m'as appelé. Où est-ce que tu m'as dit que ta fille est allée? Elle est allée à la rivière en compagnie de Oloma et Olosa. Dites-lui ce que vous m'avez dit. La reine n'est pas à la rivière. Hey, où est-elle encore allée? Hein? On a vu Itiéroa sur notre route et il a dit qu'il l'a vu avec Zaylas, le fils d'un Didier. Qu'est-ce que ma fille a fait avec ce paresseux? Hey. Hein? Venez, êtes-vous sûr de ce que vous racontez? Allez à l'intérieur. Ma princesse, j'ai l'impression que tu oublies qui tu es. Oh, s'il te plaît, Ngozi, ne recommence pas. Laisse-moi parler. Ça sert à quoi de nier ce qui est évident, hein? Ça sert à quoi? Silas est l'unique homme qui fait battre mon cœur. Ma princesse,
tu peux choisir n'importe quel homme ou moi. En fait, tu veux mieux que ce misérable joueur de flûte de tous les carrefours. Ce misérable joueur de flûte de tous les carrefours, comme tu l'appelles, est celui que j'ai choisi. Ma préférée, je viens. Écoutez, ce que nous devons dire à ton père, c'est ce qui est le plus intéressant pour le moment. Alors, je dis alors. Simple. La princesse est allée voir son amour qui est si là, c'est de moi comme aussi. Merci beaucoup, mais je ne pense pas avoir besoin de plus. Je le lui dirai moi. Tu n'auras pas à. On aura juste à pas faire cacher cela. Jusqu'à quand? Je lui ai déjà donné mon cœur. Ma princesse, je suis désolée, mais tu dois l'oublier. Là, présentement, j'ai une chanson lyrics pour vous, les gars. C'est bon. Je vous le désormais, ça va se passer. Oui, c'est ça. On pique le truc, les gros, tout le temps. Yo. Quand je dis t'es, maintenant, toi, tu dis boy. J'ai dit t'es. Boy. J'ai dit t'es. Boy. Quand je dis t'es, toi, tu dis boy. T'es. Boy. T'es. Boy. Quand je dis t'es, toi, tu dis boy. Et je dis t'es. Boy. T'es. Boy. Ok les gars, vous êtes la bienvenue. Vous venez chez moi quand vous voulez dans mon domicile. Je crache, je vous obligez. Il y aura toujours un truc pour vous. Pour n'avoir rien fait. Non, dis-moi, Nico, tu veux faire quoi avec ça? Regarde, tu veux? Tu m'en vas à la maison et après que je me sois nettoyé, tu vas aller au bar prendre cette caisse. Non, tu peux appeler au Chang. Chang quoi? Fais quoi? Chang! Ça, c'est 4000 naira. Pour une journée de travail, on te payerait combien? On te paierait combien? 1000 naira. Ça, c'est 4000 naira. Tu peux créer. Pide. Je vais aller. Si tu fais pas le travail avec nous, tu n'auras même pas ta part d'argent. Je vais aller même. Ok.
Silo! 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 Il dit qu'il y a quoi? Ah, Silo! Silo, mon gars! Oh, tu es ici. Comment tu peux disparaître du village? Hein? Silo? Hein? J'aime quelque chose. Comme quoi? Dégoussi. Dégoussi, si. Hein? Italie, vrai. Avec le gros. Diego, il n'y a aucune odeur comme ça ici. Ton odorat te déçoit certainement. Silo? Tu disais même que tu veux me parler de quoi, mon amour? Sinon, laisse avoir la fête du village. Je te dis que je suis une odeur, toi tu me. Ah, Silo. L'odeur là vient même de toi. Silo, c'est où? Ouais, quoi? Apporte ça, non? Apporte quoi? Tu dis qu'il n'y a pas de chance. Ok, attends, je vais chercher. Attends, non, je te dis qu'il n'y a pas de chance. Silo, mon ami. Je pensais que tu as dit que tu n'avais pas mangé. Hein? Silo, c'est quoi ça? Dis quoi, je n'aime pas ça. Assieds-toi, viens, va. Ah, à chaque fois qu'elle veut manger, tu es là toujours avec ses regards. Quand je m'en vais à manger, c'est là toi tu as parlé comme ça. Pourquoi est-ce que je dois pas te calculer? Tu es pas mon ami. Toi, tu es quelqu'un d'ami. Depuis que tu es chez toi là, est-ce que j'ai déjà vu la fumée sortir dans toute ta mère? Sinon, c'est parce que tu ne nous calcules pas bien, c'est pour cela. Ah, mange pas toi. Petit truc de maman a servi ça pour une sale personne. Et toi, tu te marques comme ça. Attends. C'est vrai que ça te fait confier comme ça. Tous les jours, je cours dans le village. En espérant qu'un jour la main tombera du ciel. Hein? Et toi, tu es assis ici avec ton truc entre les jambes. En espérant qu'un jour tu deviendras le beau fils du Igwe. Idiko, je suis en train de savourer mon truc avant que ton nez ne gâche tout. Je ne vais pas tolérer un commentaire négatif au sujet de ma relation avec un coup, s'il te plaît. Tu viens d'entendre ce que tu as dit. Hein? Tu as entendu ce qui est fait sur ta bouche? Relation. Quelle relation as-tu avec un coup? Ce que tu as avec un coup, c'est juste de l'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, une relation, c'est l'association de deux personnes de la même classe pour leur propre bien. Par contre, l'amitié, c'est une relation entre deux personnes qui ne sont pas de la même classe. L'autre là peut finir à n'importe quel moment. Merci pour ta visite. Soit tu marches, ou alors va-t'en. Mais oublie d'abord l'autre là. Tu connais la dernière nouvelle dans la vie. Quoi? Tu es boy dans la vie. Et il est venu avec deux belles voitures. Hein? Ha! Mais, qui est J-Boy? Oh. Tu sais même pas qui est J-Boy? J-Boy est le fils de Naya et Maddy, celui qui est en Amérique. Tu l'es comment? Jonah? Ne l'appelle pas Jonah. Oh. Les Américains ont changé son nom en J-Boy. Et j'ai même appris qu'ils sont allés rendre visite au Igwe dans son palais. Le Igwe a promis de lui donner une place en tant que petit. Le petit garçon. Oh, tu l'appelles petit garçon. Otto, qu'est-ce que ces jeunes vont même exactement faire avec toi pour se faire autant d'argent? Bonne question, Silas. Ils font leur argent de trois manières. Grâce aux études, au vol, grâce à la cocaïne. Lèle, grâce aux études, au vol, grâce aux... Oh, tu parles comme si tu connaissais. Alors que tu n'as même pas encore traversé le pont du Mar. Oh, comme je n'ai pas traversé, ça veut dire que je sais rien. Laisse la viande. Laisse la viande. Attends, depuis là, tu n'as pas place. Laisse la viande. C'est pas la maison de ma mère. C'est ta mère. Alors, laisse la viande. Son fils est un exemple pour les autres. C'est un large. Ça, c'est vrai. Il a réussi. Il a une très belle voiture. Oui. Il faudrait que tous les autres prennent le sang de lui. Je sais que vous tous vous êtes venus voir le citoyen américain. Oui. En fait, quand il était en train de venir en visite sur le Nigeria, tout le cabinet des ministres américains se sont assis pour le supplier de ne pas partir. Hein? Mais il est quoi là-bas? Parce que
Il a une personnalité très importante pour l'Amérique. Hey! Où est-ce qu'il a supplié? Il allait leur manquer. Il disait, J-Boy, tu manqueras l'Amérique. J-Boy, tu manqueras l'Amérique. J-Boy, tu manqueras l'Amérique. Mais à cause de son amour pour notre ville, au moins, vous. Et vous, la jeunesse en particulier. Il a plaidé chez le président d'Amérique pour qu'on lui accorde juste 3 semaines de congé. Oui! Alors, présentement, J-Boy est dans cette maison en train de se reposer. Revenez! Il m'a demandé de vous donner quelques jetons d'une valeur de 1000 dollars! Je vous rappelle quand ce sera converti. On sera en train de parler de 150 000 naira. Ce que vous ferez pour moi, c'est que vous alliez dans tout le village parler de lui. Dites à tout le monde que J-Boy, le fils d'Amati, a atterri comme un nègre. Je le savais depuis longtemps. Cet homme appelé Amadi qui est assis. Recherche signifiant que ses ennemis peuvent le penser est une bombe fragile prête à exploser. Continuez de marcher. Vivez. Rassasiez-vous de plaisir. Je vais vous montrer America Wanda. Amadi. Ok, les gars, je vais là. Ok, les gars, je vais là. Hey! Amadi! Je t'entends! Qu'est-ce que tu vois là? Ayawa Nive! America Wanda! C'est deux voitures! Faut que je mêle! America Wanda! Hey! America Wanda, venez voir! America Wanda! Isez-vous! America Wanda! Abudu! America Wanda! Ivobi! America Wanda! Ukwenu! America Wanda, vous êtes tous ici et vous mangez tous seul, hein? C'est toi. Avec une femme blanche. Une femme blanche? Ban! Non! En fait, l'une des raisons pour lesquelles il est venu, c'est de prendre une fille de moi ou comme une blanche. On m'a dit que tu étais à la rivière depuis le matin. Oui, votre majesté. Et rien, votre majesté. Nous étions à la rivière de toute la journée. Mais pourquoi n'étais-tu pas à la rivière lorsque le garde est arrivé? Hein? Les gardes? Majesté, je vais vous dire la vérité. Quelle est la vérité? C'est un mensonge quand on a dit qu'on partait à la rivière. Ngozi. Parle! J'écoute! C'est non, Makilamou.
non. Elle n'a pas l'habitude de voir les jeunes hommes comme toi. Ah, c'est pour cela que mon homme n'accepte pas que les jeunes hommes entrent dans sa possession. Check, mais. Ok, ok. Je reste alors hors de la possession. Je t'attends là. Ah, non, l'autre là, c'est même encore pire. L'autre là. Ah, mon homme va seulement dire que c'est moi qui cherche les jeunes hommes à sa femme. Check, mais. Oui, non. Écoute, dans son commandement. L'autre là, c'est même la plus grosse offense. Et moi, je vais alors où non? Écoute, rentrer à la maison, c'est hors de question. Écoute, dès qu'elle va arriver à la maison, maman ne va même pas me permettre de me reposer. Et tu sais que la chaleur du soleil réchauffe les cerveaux et rend les gens idiots. Ok, si l'autre ne t'inquiète pas, tu vois. Quand je vais finir, je vais t'attendre sur le chemin là. Qui mène au ruisseau. Même à distance, elle ne peut pas rester. Ma fille, les histoires de cœur sont très étranges. Même pour les hommes sages, le garde pour toi pourra te détruire. Donc parle-moi, ma fille. À propos de quoi? Je suis ta mère. Dis-moi ce que tu caches. Maman, je ne cache rien. L'aimes-tu vraiment? Maman, je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Quand j'avais ton âge, il y avait le fils d'un cultivateur que j'aimais beaucoup. Il était tout pour moi. Il signifiait le monde entier pour moi. De même que toi, mon père pensait différemment. Il voulait que j'épouse un autre homme. J'étais d'accord avec aujourd'hui, je suis heureuse. Ma fille, tu es une princesse et tu mérites d'épouser un prince. Maman, j'ai déjà un prince. Il n'a certainement pas un trône, mais son royaume réside dans mon cœur. Et là, il va diriger et régner pour toujours. Akugo! 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 Merci, tu as retenu ta marque. En fait, cela ne change pas l'impression que j'ai de ta relation. Pourquoi avec... ne pas fermer ta bouche et passer dessus aussi? Mes chers, rien ne va me faire changer d'avis concernant Silas. Absolument rien. Ma princesse, c'est par rapport à ce que j'ai suivi concernant le pape. Je pense que tu dois reconsidérer sa décision. De quoi parles-tu, Gouzi? Le fils d'Amaz vient de rentrer de l'étranger. Il a ramené deux voitures qui coûtent cher, ma princesse. Et alors? Il est au palais pour payer ta dot à Iwe. Et le garde du corps m'a dit qu'il a suggéré d'avoir une conversation avec toi, ma princesse. Moi? Oui, ma princesse. Le jeune homme désire une femme. Et si j'étais vous, ma princesse, je prendrai sa proposition en considération. Gozi, j'ai dit quelque chose de mauvais. Ma princesse.
Mon vieux est de retour, c'est bon, yo. Super. Super. Yo, papa. Tu m'as manqué pour le vrai, je t'assure. Ah, oui. Ça bouge, mon vieux. Je t'ai là assis en prenant mon pied en levant en attendant que tu arrives, tu vois. On parlera de l'autre là plus tard, hein? Mais mon fils, ouais. J'ai envie de te dire que j'ai toujours voulu la royauté. Oh, c'est ça, mon pauvre. Et je commence à réaliser que la richesse sans le pouvoir, c'est comme le vin de palme sans cola. Pour de vrai, yo, je te prie. Maintenant, tu as pu te faire un peu de richesse. Ouais, c'est clair, yo. Tu dois t'asseoir sur les autres choses qui contrôlent ce monde. Et l'une de ces choses, c'est la royauté. Tu peux encore le dire, mon vieux. Pour de vrai. Je te suis, hein? Ok. Tu es venu chercher ta femme. Mais tu ne vas pas épouser aussi n'importe quelle femme. Non! Dis-moi, mon vieux, où est-ce que tu vas en venir? Mon fils, tu épouseras Akaogo, la fille du Yigwe. Merde! Pop, tu as lu dans ma tête? Comment t'as su que c'est à ça que je pensais? Je suis ton père, Jonah. Hey, Pop, okay. Point de correction. Okay. T'es boy. Ouais, répète. T'es bon. Mon sang coule dans tes veines. Ouais, c'est ça. Tu sais ce que c'est, Pop. Tu sais, Pop, écoute-moi. Je te comprends tellement, c'est. Tu me comprends, c'est l'une des raisons qui m'a fait rentrer au village. Pas seulement pour toi, juste pour toi. Et pour mes raisons de prendre une épouse, tu comprends? Tu vois, Pop, je t'amènerai aux États-Unis. Je vais t'amener loin là-bas pour que tu rencontres d'autres Pop. Tu m'entends? Je veux que tu fasses tout ce dont tu es capable pour te rassurer. Mon rêve se réalise. Papa, j'ai envie d'organiser une méga fête de mariage. Je vais organiser une méga fête. Je veux que tout ce village soit bluffé. Pour de vrai. Et quand je dis pour de vrai, c'est que je le jure, ok? Tu sais que tu peux faire ça pour moi, c'est pourquoi tu es mon pauvre, tu me files. Maintenant, imagine. Juste ton seul et unique fils. Être dans le carré. Ton seul et unique fils reste dans le carré des rois. Yo, comment tu vois ça? America Wanda. Tu comprends tout. C'est ça. Ok, ça ne sera pas tout. Regarde, hein. À partir de ton mariage avec Akoko, la fille du Yigwe, c'est clair, Pop. Tu seras en train de métamorphoser cette lignée en royauté. Toutefois, préparant le terrain pour notre acceptance dans le cercle royal de Mwago. Tu sais ce que c'est, yo. Ce ne sera pas seulement un seul lieu. Réplombe ça. Ça devait être yo, yo, yo. Ouais, c'est ça, yo. Allez, donne-moi ça. Donne-moi cinq, Pop. Donne-moi cinq. Allez. Ouais, c'est ça. Non. Ok. Mettons deux doigts en l'air. Oui, c'est ça. Maintenant, ça sent. Yo. Regardez. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu épouses la princesse. Umuagwu doit être informé que notre famille dorénavant doit contenir des nobles. Par des grandes hommes. Ouais. Par des hommes qui comptent. Oui. Papa, tu sais quoi? Hein? Tu sais quoi? Hein? Ça fait appel à la célébration, okay? Alors toi, tu vas attendre un peu. J'ai un truc pour toi, Pop. Je suis avec toi. Tu es mon papa pour toujours et pour l'infini. Mène aux États-Unis. Je veux que tu ailles rencontrer d'autres Pop comme toi là-bas. Je veux que tu vois Pop Jefferson, Papa Bush, Papa Kleine. Tu me comprends? Tu connais Kleine? Ok, attends, je vais essayer un truc America pour toi. Wanda. America Wanda. Papa, tu entends ça? Hein?
Maman, bonne arrivée. Silas, où vas-tu? Maman, je... Laissez-vous envahir mes récoltes de champs, alors que j'ai un vieux garçon comme toi à la maison. Oh, maman, pas encore. Est-ce que c'est à chaque fois qu'on doit toujours parler de cette affaire? Tu cours partout dans le village. Pensons que tu vas épouser la seule fille de Hugo, hein, Akugo. Maman, ne dis pas ça, oh. Maman, Akugo même, vraiment. Maman, Akugo même. Je te pose une question. Si tu étais ses parents, devrais-tu lui permettre de laisser tous les princes des villes de nos villages voisins d'épouser un laboureur comme toi? Ok, maman, laisse-moi te dire quelque chose. Écoute, maman, le destin est comme la météo, imprévisible. Maman, le soleil brille en ce moment même. Et à la minute qui suit, il pleut. Comment l'expliques-tu? La seule pluie que tu attends, c'est la pauvreté. Et si tu ne prends pas ta matière, pour aller au champ comme tes compagnons. Écoute, maman, s'il te plaît, laisse un peu ma vie tranquille. Hein, maman, je suis en train d'aller comme ça à un endroit paisible. M'assois pour bien arranger mon monde. Pour chaque question, je vais te proposer pour moi. Maman, laisse-moi tranquille. Va et reste dans ton illusion. Regarde Jonas, laisse-moi, tu sais quand est-ce qu'il est né. Il vient juste de rentrer de Godot Ivo avec beaucoup d'argent. Regarde Jonas. Va et reste dans ton illusion avec cette chanson inutile. Jonas est revenu des États-Unis. Beaucoup d'argent. Comment s'est-il fait cet argent? En utilisant cet objet. Tu vas gâter le machin, c'est ça combien j'ai acheté ça? Hein? Tu as commencé, oh. Tu ne fais que parler des autres. Qu'en est-il de toi? Regarde l'unique yen que mon père m'a légué avant de. Et j'étais juste laissé l'utiliser. Mais là, tu vas gâter. Là, tu vas gâter cette bicyclette. Qui parle de ça? Laisse-moi. Tel père, tel fils, Moumou. Ton père t'a laissé une bicyclette. Tu es juste comme ton père. Hey. Mais je fais à la maison t'attendre. Comment? Pour venir manger. Tu insultes l'esprit d'un innocent, d'un mort innocent. Qui de là? Laisse-moi te demander, et si l'esprit va se mettre à gifler maintenant? J'attends que l'esprit va gifler. Les gens disent que c'est la sorcellerie, et pourtant c'est toi qui es la cause. L'esprit de papa est encore en vie, oh! Non, d'abord, si l'esprit est en vie pour toi, il faut venir manger. Quand tu vas rentrer, je vais te donner à manger. Quand n'importe quoi. Ngozi, la princesse n'est pas à la maison. Qu'allons-nous faire maintenant? Comment? Qu'est-ce que tu veux par là? Que dirons-nous à la reine si elle venait rentrer maintenant? Oh! Je ne sais même pas pourquoi c'est devenu mon combat de veiller sur quelqu'un qui peut faire souiller son vêtement royal. Je te dirai pourquoi. Ngozi, c'est la tradition. Ça a toujours été et ce sera toujours ainsi. Que tu le veuilles ou non. La tradition. Oh! Hey, où vas-tu? Me coucher, bien sûr. Te coucher. Bonne nuit. Qui m'aurait empêché de te voir. Mon amour, tu mets ta vie en danger en venant jusqu'ici. Ne pas te voir est pire. À quoi? Ton amour pour moi est plus que ce que je n'ai jamais imaginé. Le monde ne sait pas.
sais quoi? Demande-moi une faveur. N'importe quoi. Joue-moi une chanson. Que je te joue une chanson. Oh, viens t'asseoir, sois-toi. Tu vois alors que c'est spécialement pour toi, ok? D'accord. Akugo marama biatera meguo. Akugo marama biatera meguo. Igalu wa kugo tera meguo. Igagalu wa kwa mwa tera mewa kwa marama. Oleye ime do mago jemera migwe. Kwa nami ye mero mago jemuru mamara. Odiri hama kwa jone kuna megwe. Inye winyama kwa nacho mwana kambura megwe. Maman. Ma princesse. Mère de mon amour, je te salue. Est-ce que tous les lits au palais sont devenus inconfortables pour que tu cherches un autre refuge? Maman, le seul refuge que je recherche, c'est le cœur de l'homme qui t'appelle mère. Ma princesse, tu cherches quelque chose d'impossible. Maman, ce que Dieu a destiné, tu ne peux pas l'appeler impossible. Dis-le-lui. Silas, s'il te plaît, joue-moi une autre chanson. À quoi? Je vais jouer une autre chanson pour toi. Hein? Mais dis-lui, dis-le, maman, je m'appelle Silas Maïkwe Dumako. Pauvre chômeur, pourtant je cherche une princesse pour femme. La pauvreté c'est mon nom, mais Dieu m'a béni avec la noblesse. À quoi m'assieds-toi pour qu'elle te chante autre chose? Hey! Oh, il a encore rien. Hey. De la nuit. Ah, oh non, il fallait que je le voie. Ah, Akugu, c'est bien beau de vouloir aller le voir. Mais sorti hors du palais toute seule à 7 heures de la nuit est une folie. Oulama. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Tu es bien plus qu'une amie. Merci beaucoup. Mais pourquoi est-ce que tu crois mon amour pour Silas? Je ne crois pas à ton amour, Silas Akou. Mais je crois que chaque femme mérite et sur les battements de son cœur. Merci beaucoup. De rien, ma princesse. Agogo. Papa. La beauté de Umago. La fierté de ma vie. L'envie de l'humanité. Papa, à quoi es-tu cette blanche? À ma virilité, bien sûr. Et mes entrailles qui t'ont porté. Je suis confuse. Assois-toi, ma fille. Mon souhait est de te voir heureuse, ma fille. C'est également mon souhait de te voir vivre une vie heureuse dans un foyer digne de ton statut. Je suis toujours confuse, papa. Ceci concerne ton avenir et le choix que j'ai fait pour toi. Quel choix, papa? Le fils de Zamadi est revenu de l'étranger et je vois que c'est un jeune homme qui a de l'avenir.
Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Assez. Beaucoup. Il est venu ici demander ta main en mariage. Et il sera ton mari. Abou! Abou, viens ici! Hey! Abou! Hey! Abou, viens ici! Ma princesse! Ma princesse! Ma princesse, que se passe-t-il? Mon cœur n'appartiendra à personne d'autre que Silas. Ok, c'est bon, jusqu'à je te l'ai dit non. Tu m'as dit quoi? Mon père veut que j'épouse le fils de Zamadi. Mais ma princesse, en quoi c'est mauvais? À présent, il est la nouveauté de moi aujourd'hui. Les notables chantent sa gloire et les gens chantent oui. Assez aussi, assez! Je t'ai pas demandé de me faire des éloges pour bien aimer. Il n'a aucune importance à mes yeux tant que les autres jeunes de Mouago. Est-ce que tu m'entends? Mais ma princesse, qu'est-ce que Lolo a dit? Lolo n'est pas le problème. C'est mon père, il est très difficile. Quand il a déjà pris sa décision, il est carrément difficile qu'il fasse autrement. Ma princesse, si je peux te donner un conseil. S'il te plaît, je ne vais écouter aucun conseil qui parle à contre de mon amour pour cela, c'est clair. Désolée, ma princesse. Mais ma princesse, pourquoi ne veux... Je vais vous arrêter de parler, est-ce que vous avez compris? Chante des chants, honneur, en disant Amadi c'est l'homme du moment, Amadi c'est l'homme du moment, Amadi c'est l'homme du moment. Qu'est-ce qui se passe non? Il donne ma belle alcool. En fait, je n'ai jamais vu une chose pareille auparavant. Oui, Oh, il y a tout, oui. Pas la chance, beaucoup d'argent. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Jonah! J-Boy! Fais le tour de toutes les rues. Distribuant le Naira et l'argent des Blancs. Le dollar! Amadi, on a vu de l'argent comme ça. Amadi, en fait, ta famille a tenu fait un don pour Mago. Ok. Attends, est-ce qu'on va vous demander? Est-ce qu'un lion donne naissance à un agneau? Non! Est-ce qu'un lion donne naissance à un agneau? Non, jamais! Regarde ça, le diable. Yo, ça dit quoi, les gars? Les mecs, voilà. Yo, vous êtes la bienvenue dans ma crèche. Les gars, vous allez super bien. Vous allez bien, ouais. C'est super. Yo, vous êtes encore les bienvenus. Obligé. Bien, je vous appelais ici pour vous parler de quelque chose. Vous appelez, vous, les jeunes de ce village, pour vous parler de quelque chose qui va bientôt se passer dans ce village. Ça, croyez-moi, vous devrez. Il y a un grand carnaval qui s'annonce. Au cas où vous n'êtes pas au courant, tiens. Lui-même en personne, il va bientôt se caser hier. Quoi? C'est quoi encore vous? Ouais, je vous assure. Se caser veut tout simplement dire quand je vais me marier bientôt. C'est le mariage que nous connaissons. En fait, c'est la table, entendu. Mais nous ne savons pas qui est cette fille chanceuse. Mais est-elle d'Amérique? Ah, non, elle n'est pas ce genre de rire. Elle n'est pas de là-bas. Elle n'est pas ce genre de meuf. Maintenant, tu vois le tableau, y'a. Pou? Ouais. C'est son nom? Non, Pou, c'est pas ça dont on parlait, yo. T'as rien pigé, mec, c'est carrément faux. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis ici pour vous amener aux États-Unis. Bien, meuf, simplement dire. Certainement, une
Mais veut tout simplement dire une fille. Ah, ouais, ouais. Mais qui est cette chanson? Ouais, la plus chanceuse, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure. La meuf chanceuse, est, elle est très chère, ouais. Écoutez, c'est la fille du Igwe. Ah, beaucoup. Exactement, exactement, tu as touché le truc, c'est ça. Tu as tout compris, c'est clair. Ouais, pour de vrai, c'est pourquoi je veux que vous soyez tous là. Je planifie une méga fête de mariage pour moi et ma reine héritière, vous pigez le truc. Je vais organiser une méga fête de mariage, c'est pourquoi je veux que vous m'aidiez pour de vrai. Vous pigez, faites-le pour moi. Faites-le. Allez dire à tout le monde qui voudrait écouter que J-Paul, le fils de Imadi Abou, la fille du Igwe, 2006, ce mariage 2006, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Vous voyez, ceci appelle à la célébration. Ceci appelle à quoi? Célébration. Je veux que vous criez mon nom maintenant quand je vais parler. Criez mon nom. Allez-y, chantez mon nom. C'est ça, les gars. Maintenant, chantez mon nom. C'est ça. Quand je dis ti, vous vous dites boy, je dis ti. Boy. Quand je dis ti, vous vous dites boy, ti. Boy. Ti. Boy. Quand je dis ti, vous vous dites boy, ti. Boy. Ti. Boy. Vous savez quoi? J'ai beaucoup de choses pour vous. J'ai beaucoup de cadeaux pour vous, vous comprenez? Je vais vous chercher à boire, vous pigez. Attendez juste une minute. J'ai du NS. J'ai du Moël, j'ai du Coley, j'ai du Remembrance, j'ai beaucoup de choses pour vous les gars, vous comprenez? C'est pour vous remercier d'être venu, attendez-moi, mon amour, parle, j'arrive les gars. Je vais prendre mes 7 titres ici. Non, non, comment peux-tu permettre à ma fille d'entrer en relation avec ce villageois? Igwe, j'essayais de... Essayez quoi? Tu as commis ces actes abominables sous le couvert de ta maternité? Tout en l'entraînant dans l'irresponsabilité? Igwe, Akogo n'est pas un enfant. Akogo est ma fille. Je peux la soumettre à ma volonté s'il le faut. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Mais je pense qu'elle l'aime vraiment. Assez, madame! Je t'interdis de considérer ma fille ainsi. Ah! Tous les habitants de Umuagu admirent la noblesse qu'offre ma maison. Je ne vais pas donner au chien ce qui appartient au roi. Peut-être que tu dois parler à ta fille. Bon Dieu! J'ai essayé tout ce que je pouvais pour qu'elle puisse changer ta vie. N'abuse pas de ma patience, madame. Appelle-moi tout de suite. Elle a quitté le palais, majesté. Où est-elle partie? Elle... Répondez-moi! Pardon, moi je m'arrive. Pardon. C'est vrai. Ah. Amadi, tu sais que nous ne pouvons rien te refuser. Oui, c'est ça. Il est dit que ce que les œufs ont vu, on ne peut en douter. Quand nous voyons toutes ces choses devant nous, nous savons que tu es un homme qui court après ce qu'il peut. Voilà. Et après tout, tu mérites ce que tu as. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon fils a montré un intérêt à prendre une épouse. Hey, et il a pris une décision ici. Ici chez nous à Oumuagu, le
Nous partageons du vin comme les colas. Mais là-bas en Amérique, la cola se partage dans les enveloppes comme ceci. Ceci n'a rien à voir avec ce qui arrive. Non, ne faites pas trop de bruit, mais s'il vous plaît. Mon fils a montré ses intentions d'épouser à quoi ou quoi, la fille du Igwe. Oh, je cherche mon assistant. Amadi, c'est chose faite. C'est chose faite. En même temps, tu l'as dit. Ils sont déjà mariés. Tout ce que nous devons faire, c'est d'arriver là-bas avant l'amour. Oui. Très bien. Mon fils planifie faire un mariage qui sera connu à Omoago, très populaire. Ce sera un carnaval. Un carnaval de 3 jours. Trois jours de kéké. 3 jours de claquement de dents. 3 jours d'overdose de joie. Oui, j'aime beaucoup. 3 jours d'Amérique Wanda. Merci beaucoup. Merci. En disant de Umuago, je réitère notre soutien et notre position. Oui. Ton fils, Jonah. J-Boy. Est déjà marié à la fille du Rio. Ils sont déjà mariés. J-Boy. Mes frères, je vais te garder ma part. Les anciens, mes chers frères, point d'observation. C'est une chose de vouloir une épouse. Mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que l'épouse est vraiment disponible? Merci. Que veux-tu dire? Je ne suis pas sûr qu'Akoko est prenable. Akoko n'est pas vacable. Amadi, que veux-tu dire exactement? Amadi, il y a ce petit garçon qui est toujours autour de la princesse à chaque fois. Oui, oh. Un jour, je les ai suivis. Allez. Ne viens pas gâter notre joie ici. Tu as encore oublié. Je dis la vérité, non, que j'ai fait quoi? C'est bon. J'ai fait quoi? Savez-vous ce qui est intéressant avec ce genre d'informations? Le garçon qui vient d'être décrit ici est un villageois de moindre classe. Un incompris. Un pauvre. En fait, vous pouvez l'appeler un sauvide. Je le connais. Un lucien. Soutiendrez-vous qu'un incompétent épouse Akoubo? Soutiendrez-vous qu'un incompétent défie mon fils J-Boy? C'est mon intention. Que mon fils épouse Akoubo. Avec votre soutien, rien n'empêchera cela. Je répète, rien n'empêchera cette union. Faites vos choix. Amusez-vous. America Wanda. Silo, regarde l'argent. Silo, tiens, si tu vois l'argent. Silo, si tu vois l'argent, tiens, regarde. Ah, Silas, je suis pas de te parler. Kaoge, écoute-moi. Si tu connais le chemin par lequel tu es venu, tu peux toujours rentrer. Silas, il y a le feu sur la montagne. Et dis go.
Écoute. Idigo, si tu es venu me rendre visite, je te donnerai une chaise. Mais si tu es venu faire cette insulte de parabole là ici, vois le chemin qui peut sortir de chez moi. Vois l'argent. Ah, comme si je n'avais jamais vu l'argent. Tu sais combien j'ai acheté cet instrument? Tu sais à combien coûte de talent pour jouer à ça? Tu sais combien coûte à Koukou? Ah, Silas. À Koukou, ta supposée épouse va se marier le mois prochain. Et toi, tu es ici. Et tu es là. Dis-moi, écoute, si c'est une blague, elle n'est pas amusante. Elle ne m'amuse pas du tout. Elle va se marier à D-Boy, le gars américain. Toi, tu es ici, tu dis que tu as l'argent. Tu es grimé. Tu as de l'argent. Attends que ton ami, je vais te passer la nouvelle avant que tu m'apprennes de te donner. Tu as de l'argent. Idigo, tu ne peux pas partir comme ça, non? Tu sais que c'est depuis longtemps qu'Akoukou et moi sommes ensemble. Tu ne peux pas juste permettre que cette petite garçon vienne des États-Unis et me prendre Akoukou. On ne peut pas se laisser faire, non? Ah, non. Tu sais vraiment ce qu'Akoukou représente pour moi. Tiens, non, on essaie de réfléchir ensemble. On va se mettre ensemble pour faire ça. Mais là, présentement, j'ai un rendez-vous quelque part. Bon. Idigo, rendez-vous. Idigo, c'est moi, Silo. Ah, tu sais que c'est toi, non, Silo. Attends, non. Hey! Idjo Wale! Il dit quoi? Akoukou. Mbala. Ewa! Imagine-tu,
la grâce que tu as d'épouser G-Boy. Ngozi, tu peux l'épouser si tu l'aimes autant, est-ce que c'est clair? Désolée, ma princesse. Il faut la fête pour les villageois, mon. Il faut la fête pour les jeunes sans emploi. Toutes les chansons qui sont chantées à un mois d'aujourd'hui ne sont rien comparées à ce que chante l'homme que j'aime. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et puis, on verra tout préparer pour les gars qui ont inattendu que je vois. Écoute, Akou. Écoute. En fait, tout le village entier sait à qui est ton mari. Et n'oublie pas, ma princesse. Le fait d'être né dans une famille royale ne te permet pas de faire le choix de ceci. C'est tout ce que ton père veut. Écoute, ceci, Akou. Tu peux avoir le choix de ton cœur, ce qui changera le cours de ta destinée pour toujours. Hein? Non, maman. Non. Ma princesse, ma fille, tu sais bien que tu n'as vraiment pas le choix. Ça sera mieux pour toi. Hein? Mais aussi une reine. Pas seulement une reine, mais aussi un ange. Non, pas seulement un sujet d'attraction, mais aussi une essence de bienvenue. Ouais, c'est ça, Igo, je te sens, je te comprends. Je veux dire ici que
Je suis très content d'avoir fait le bon choix pour ma fille. Tu as tout dit, yo. Tu as tout dit. Il n'est pas facile de rencontrer un jeune homme qui réussit dans la vie comme le fils d'Amadi. Ouais, pour de vrai, papa, je t'ai dit que j'allais amener cette merde aux États-Unis. Ouais. Il va chier. Ok, les griffins. Il est que des mecs. Pour de vrai, négro. Et je dois dire ici que nos ancêtres ont eux-mêmes bien prédit ceci. Ouais, c'est clair. Oui, oui. C'est clair. Mmh. Et vous venez juste de l'appeler reine. Et c'est exactement ce qu'elle est. Ouais, c'est ça. Je suis avec toi, Igwe. Yo, qu'est-ce qui se passe, bro? Qu'est-ce que retient ma reine, ma chérie, ma... Pourquoi je vois pas ma... Hey! Hey! Oh, je ça. Où est cette femme? Ah! Elle voudrait mettre toute la perle de ce monde, hein? Amène la princesse! Donc, quoi nous? Yeah! On a quoi nous? Yeah! Quoi nous? Yeah! 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 Laissez vous! Yeah! J'aime bien ce vieux, yo! J'aime bien. Yo, yo, ça bouge! Attends! Hein? Ok, tu vas te gérer un peu avec ça. Tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai avec. On a quoi, nous? C'est le mariage. Ma fille, je t'en prie, épargne-moi cette honte. Mal juste là-bas avec le sourire sur ton visage. Dans quelques minutes. Ce sera fini, s'il te plaît. Parfois, ma princesse, il ne suffit pas seulement d'aimer, s'il te plaît. Vas-y, fais-le, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Laissez-moi aller voir mon mari. Oh! Merci ma fille. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Enfin. Elle va se marier avec T-Boy. C'est pour ça que tu es si contente. T-Boy l'Américain et non Silas. Espérant que tu as raison et qu'elle sera heureuse. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, l'homme s'est marié. Pardon, ne commence pas. Vas-y. Aku, fierté de Umwagu, la beauté de mon cœur. Aujourd'hui, un homme demande ta main en mariage. En présence de tout ce monde et avec joie, tu vas déclarer qu'il est ton futur mari. Hein? À quoi sert la vie? Personne ne peut choisir sa destinée, papa. La vie est pleine de choix. Certains sont faits par toi-même et certains sont faits pour toi. Ouais, je te sens dans le coup, Igwe. Bien joué, Igwe. Bien joué, t'assure. Aku. Oui, papa. Agenouille-toi devant cet homme présent ici en tant que ton futur époux. Mets-toi à terre, bébé. Mets-toi à terre, bébé. Pour le village de Umwagu. Ainsi que nos ancêtres attendent pour toi cette grande occasion. S'il te plaît, ma fille. Tu as fait un choix pour moi, papa. Oui, oui. Et je ne peux pas le rejeter. Oh, Et de la même façon, tu ne refuseras pas le mien, papa. Ouais. Non. Papa, je ne peux pas épouser cet homme. Aku, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'est pas mon époux. Silas.
Yo, papa, je peux plus supporter tout ça. Et puis, c'est qui cette espèce de salaud? Voilà, il dit à me remettre pour le moment. On a une mère, on va manger pour la vie. On dit à ma quoi, mais pour la vie. Ah ouais, voilà, quoi, mais je vais pour la vie. Tu la souviens pas comment t'appelles? Moi, Amadou, je ne suis pas un homme qu'il faut tenter. Oui, c'est ça, papa. Parfait d'ici avant que mon esprit ne se fâche contre toi. Va-t'en. Silence! Ça crachait sur le visage de Igwe. Silas, mon poids, loin de Silas. Mais vous ne lui avez pas dit. Je dis quoi? Maman, j'ai essayé de lui dire, mais il n'a pas voulu m'écouter. J'ai essayé. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Merde! Merde! Où est ton fils? Mon fils? Oui, Silas. Qu'est-ce que mon fils a fait? A-t-il fait quelque chose de mal? Silas a fait de nous des insomniaques et lui-même ne dormira je pas. Je rejette ça. Mon fils est inoffensif. Ton fils Silas a lancé un défi aux esprits sur la danse de la mort. Maman, maman, tu sais où le trouver, maman. Tu sais où le trouver. Hein? Tu entends? Tu sais où le trouver. Hein? Tu as vu? Je t'avais Silas, bien dit. Silas, tu m'as fait ça, oh. Silas, pique-nous. Hey, Silas, qu'est-ce que je t'ai fait? Hey, Thibaut! Akoko a fait devant un cieux de mon prix, devant Oumoua. Votre Majesté, calmez-vous. C'est seulement un. Tais-toi! Hey, comment vais-je me calmer? Hey! Hein? Ikena! Akadike! Parcourait tout Oumouad, même les rivières et fleuves d'Agbaroura, trouvait là et amenait la mort immédiatement. Hein? Igwe. S'il te plaît, mon mari, la colère n'aura pas raison sur toi et notre maison. Ne fais pas ce que tu regretteras. S'il te plaît, mon mari, s'il te plaît. Va la chercher immédiatement. Va, va la chercher immédiatement. Aïe! Je ne peux plus accepter cette absurdité. C'était quoi cette connerie? C'était quoi cette connerie? Regarde l'humiliation. Regarde la honte. Amadou n'a jamais été si déshonoré. Tu es au pauvre? Non, Jonah. Une fois, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de temps pour Yo maintenant. Ne Yo, je suis rien là. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici, papa? Ma fiancée m'a largué. Elle m'a tourné le dos, papa. Personne n'a jamais tourné le dos à Dieu. Personne ne me tourne le dos, papa. Je veux dire, après avoir tout. Merde. Alors, il avait raison. Un villageois qui me fait des menaces. À coup, on préfère un villageois que mon fils. Ça, c'est une insulte envers moi et ma femme. Et Ahmad, il n'acceptera pas cette insulte. Non. Maintenant, écoute-moi, Bob. C'était qui ce gars qui a interrompu la cérémonie? C'était qui? Jonah, laisse-moi. Non, je ne vais pas la laisser. Je ne vais pas la laisser. C'est ma fiancée, souviens-toi, papa. C'est ma fiancée pour de vrai. Même si ça se voit qu'elle ne veut pas de moi, elle est toujours ma fiancée. Écoute, elle voudra de toi. Je ferai qu'elle ait envie de toi. De vrai? Oui. Alors, comment tu vas faire ça, Bob? America Wanda. Jonah, tu étais là-bas en Amérique. Mais je vais te montrer America Wanda. Qu'est-ce que tu veux dire par America Wanda, papa? America Wanda. America Wanda? Personne n'a jamais joué avec Amadou. Rappelle-toi de mes paroles. Je vais faire qu'à quoi pour t'épouser.
Pour de vrai? Oui! Pour de vrai, papa. Je te le promets, je te dis. Papa, je croyais en toi. Tu m'entends là? Pour de vrai, regarde ce vieux parachute, tout ça à cause de cette fille. Regarde, juste parce que. Putain, j'aime pas ça! Papa, regarde-moi, regarde-moi. Je ressemble à une marionnette avec toute cette merde. Je suis fatigué, papa, je suis fatigué. C'est comme si je vais rentrer aux États-Unis, papa. Je suis fatigué de tous ces trucs-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Papa, je ne vais pas me calmer. Je ne vais pas. Faut que j'enlève d'abord cette merde. Tu n'as jamais été mûlé comme ça de toute ma vie. Regarde-moi, je ne suis personne. On dirait que je ne suis personne. Écoute-moi, papa. Tu as promis que tu allais m'aider. Tu veux partir aux États-Unis, c'est ça? Mais je vais partir avec toi. Tu veux aller au Michigan, souviens-toi, j'ai promis de t'aider pour ça. J'ai promis de t'amener là-bas. Alors si tu veux vraiment partir, papa, aide-moi. Aide-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai envie de partir. Je suis fatigué, papa. Pourquoi tu fais de merde? Pourquoi tu fais de merde? Personne ne joue avec Amadi, ils ont valé pour moi. Ils veulent ruiner mes chances de visiter Brapakata. Brapa Tafasen, Brapa Bush, Brapa 50 Cent, et même Papa. Tant, 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 tant. Ah, Coco, comment m'avez-vous retrouvé? On savait que tu étais ici. Ma princesse, tu dois partir avec lui. Ton père a pris. Je m'en fous. Si vous voulez laisser-le mourir, tout ce que je désire, c'est d'être dans les bras de celui que j'aime. Ça est là, s'il te plaît. Parle. Elle doit venir avec nous, qu'elle veuille ou pas. Ma princesse, pour l'amour du ciel, n'agis pas de cette façon. Mon amour. Oh, s'il te plaît, ne laisse pas leur mot de trop. Je préférerais mourir avec. Akugo, il serait sage pour toi de rentrer à la maison maintenant. On cherchera des moyens pour convaincre ton père. Es-tu aussi en train de me tourner le dos? Que les dieux m'en préservent, mon amour. Akugo, si nous devons nous marier, nous avons besoin de la vie de nos parents. S'il te plaît, mon amour. S'il te plaît. Maman. Pourquoi cherches-tu à ajouter plus de chagrin dans mon cœur déjà chargé? Ah, maman, qu'est-ce que chagrin fait? Est-ce chose impossible pour une mère de demander à son fils unique de la laisser mourir en mer? Maman, ne parle pas de ta mort, non? Ah, qu'est-ce que ça? Qu'aimerais-tu que je dise? De l'amour? Juste pour la bêtise et la tétudie qui te conduit à cette folie. Ta folie, c'est encore quoi, non, maman? Beaucoup sont tombés de l'autre côté. Maman, vrai mais faux. Maman, écoute. Les épines nous transpercent les pieds. Les vallées nous font trébucher. Pourtant, maman, la pensée de l'amour seulement fait en sorte que notre cœur aille au-delà de toute peine et de tout obstacle. Hein? Maman, ne me touche pas, tu es fou, Silas. Silas, tu es un fou conduit par la passion. Pas de problème, maman. Mais j'aimerais que tu me prêtes tes oreilles pour ce que je vais te dire ce matin. Mouana. Ce que les anciens voient ici, toi, un jeune homme, ne pourra le voir. Même si tu grimpes au sommet de tous les arbres,
Laisse Akoko tranquille. Laisse Akoko tranquille. Maman, si maman, si tu n'as rien d'ordinaire, assieds-toi et occupe-toi tranquillement. N'ouvre pas la page là. En passant, tu fais la cuisine. Chef, je veux manger le riz. Papa, l'autre riz que tu as cuisiné, l'autre jour là qui était à moitié cuit là. Maman, je veux manger le jar à boire à boire là. Je m'en vais dans ma chambre pour ça, mon cousin. Quand je sors de là, pour que tout soit prêt. Ce sera pour une fois venir me marcher. Je vais préparer pour toi, il faudra venir me marcher. Reste-moi en pause, tu veux que tu fais tout ça. Non, moi j'arrive à manger. Viens me marcher. Tu ne veux pas cuisiner. Maman cuisine pour toi. Maman fera tout pour toi. Attends-là. Ce n'est pas possible. Tais-toi. Tu n'as pas besoin d'amour. J'ai tout planifié pour toi. Le reste de ta vie sera déterminé par l'argent, le pouvoir et l'influence. J'ai fait mon choix pour toi. À moins que tu veux que je te crache de ma bouche et que j'interdise à mes yeux de te voir encore. Akugo. Akugo. Laisse Silas tranquille. Laisse Silas tranquille. Maman, jamais. Hey. Ma fille. Ma fille, c'est bien de tomber amoureuse. Mais il sera encore plus sage de respecter le choix que tes parents ont fait pour toi. Je sais combien c'est dur pour toi. Mais, Ngozi, Uloma, dites quelque chose, non, vous êtes là pour me regarder. Ah, ah. Ma reine. Je ne sais pas quoi dire, mais je prie afin que le Seigneur m'aide. Akogo, ton père est en colère à cause de la honte que tu lui as donnée devant tout le village. Ma princesse, obéis à ton père et il sera content d'avoir fait ce choix pour toi. Qui est? Épouse J-Boy. Échappe-toi du cauchemar d'une vie misérable. Oh! Akogo, Akogo, qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille, Akogo? Emma une wewe Amerui mando do na Amerui ma Emma une wewe Amerui mando do do Amerui ma Warune ne fera ma Amerui mando do do Amerui ma Wanda fe wama ame wima do rido na me wima agwa muru zeli la meke ame wima do rido ame wima ije la fe puela mo ame wima do rido rido ame wima sala si Amewima, do, do, we do, Amewima. Ema,
Bonjour. Ah, Chidozo, bonjour. C'est comment? Je vais bien. Tantine Agogo a demandé que je te donne. Ah, c'est pour moi? Oui. Ah, où est-ce que tu l'as vu à 7h de la matinée? Je l'ai croisé au carrefour. Elle sort de la rue. Ah, mais merci beaucoup, hein, Jo. De rien. Au revoir. Ok, bye bye. Cache-cache avec moi. Hein? Tu penses qu'elle ne sait pas où tu es? Ok. À coucou. À coucou. Ah. À coucou. Elle est où, non? À coucou. Mais tu sais qu'elle allait ici. Non, ça allait. Hein? À coucou. À coucou. Bref, je l'attends ici. Je sais qu'elle va venir. C'est quoi? C'est là, c'est mort.
Thank you.
Akwam. Silas. Akwam. On m'a dit que tu étais morte. Oh, Megan, on m'a dit que tu étais mort. Entre dans la voiture. Oui. Non, madame. Je ne suis pas mort. Je savais que ton esprit a entendu les mélodies de mon cœur. Sera un échec. Amen. Nos enfants ne réussiront jamais. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Mais toi, laisse les problèmes tranquilles. Comment non? Laisse à Kougo. Écoute. Si c'est une blague, arrête ça. Si tu veux des jours, vas-y, viens, sache que je suis sale. Ne parle même pas de la Kougo, c'est là. Ah, bon. Ne parle même pas. Si, d'accord. Si tu veux m'embrasser, masse-moi. Si tu ne veux pas, dis-moi. Désolé. Ah, c'est même quoi, non? Tu es toujours là, très bien. Hey, wow. Que voulez-vous encore? Que voulez-vous? Chut. Baisse ta voix. Baisse ta voix. Ma Jéhovie, es-tu aussi venu pour moi? Es-tu venu pour moi? Silas, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Ma Jéhovie, je n'ai pas besoin de ton aide. Là, va-t'en. Ah! Tu as besoin de mon aide. Tu te retrouves dans une très mauvaise situation. Dans ton innocence. Et je ne peux pas voir ça de mon vivant. Te voir mourir juste comme ça. Mazio, il s'agit de ma vie. Je sais que c'est ta vie. Mais il s'agit aussi de ma vie. Et je te le dis devant ta mère. Amadi et quelques anciens sont de connivence. Laisse-moi te dire qu'il veut te voir mort. Hey, quoi? C'est un mensonge, je le rejette. Ça ne va jamais réussir. Qu'il a éliminé ses propres enfants. Silas, si j'étais à ta place, je quitterai ce village pour un moment. Majobi. Je serai allé en ville et attendre que les choses se calment. On m'a dit déterminé que son fils doit épouser la fille du Ougwe. Mmh. Et aussi longtemps que tu seras ici, il te verra comme un obstacle. Un obstacle qu'il doit absolument éliminer. Te fier à quoi? Je le livre en quoi? Moi, quitter ce village. À cause de Jonah et de son père Madi, Anne même. Hey. Dieu m'a blessé. Hein? Écoute, je ne peux pas juste partir comme ça. Je ne peux pas. Nedi. Tu n'es qu'un couteau. Nedi. 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 Arrête de lamenter. Parle à ton fils. La plupart des bonnes décisions n'ont pas l'air bonnes. Très souvent. Mais au finir, la sagesse finit par avoir raison. Il est ton unique fils. Et tu mérites de le voir vivant. Hein? Faudra y penser. Anam. Merci, Naï. Majobi, merci. J'avais déjà réfléchi à ce sujet. Hein? J'attends Jonah ici. Et son père m'a dit qu'il vienne. Hein? Makachukou, hein? On va chambouler cette communauté. Qu'il vienne. Qu'il vienne m'arracher à Koukou. Araha, voilà. Que le tonnerre les frappe tous là-bas. Ça, il laisse mon fils. Je peux voir la sagesse dans ce qu'il a dit. Maman, j'ai appris à ne faire confiance à personne. Tu m'as suivi. Je ne peux pas me permettre de te perdre. Tu es mon seul fils, le seul œil qui me sert à toi. Pico. Maman, que j'attends Jonah et son père m'a dit. Qu'elle vienne. Moi, Silas. Hey. Tu n'as rien fait. Pourquoi là? On va se... Aïe. Oh, maman, s'il te plaît, si tu veux me masser, masse-moi, si tu veux pas, moi, je m'en vais. Que j'aille me reposer en paix. Moi, à partir de ce village, à cause de Jonah et de son père. Ah, voilà, y'a. N'importe quoi. Que, j'aimerais parler avec lui en privé. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu m'as envoyé un message avec Oluma. Oui.
Es-tu en train de me quitter? Non. Phila, je peux le voir dans tes yeux. Akoko, je ne suis plus en sécurité ici. Dans ce cas, j'irai avec toi. Non. Je ne voudrais pas mettre ta vie en danger. Akoko, ils viendront après moi. Alors tu veux que j'accepte de l'épouser? Akoko! Maintenant dis-moi, est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr que je t'aime. Alors attends-moi. Écoute, je te promets que je reviendrai. Ah. Silas, il me sera très difficile de vivre un instant sans toi. Akoko! Ce sera aussi dur pour moi, mais je dois rester en vie pour toi. Promets-moi que tu ne vas jamais m'oublier. Jamais. Jamais. Jamais.